Mesdemoiselles, il ne reste plus qu'une seule rose. La mienne, j'espère que tu feras le bon choix. Va défendre. Je n'oserais pas. Bonne chance à toi. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mass TV, la chaîne du Japap et du Père Ouest, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non, nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos là sur mu et dur. Ah ouais, ouais, voici, hein. Emma Loès, qui est objet, oui. Objet, bon, elle fait parler d'elle ces derniers temps-ci. Notamment pour Bachelor. Je vous rappelle que Bachelor a été interdit au Congo et il y a une chaîne qui a diffusé ça là-bas. On a suspendu la chaîne. Que bon, on vous avait diffusé ça. Ok, on a suspendu. Et Maloué a... est sorti lors de sa présentation. Il y a le Bachelor qui a présenté une rose à Maloué. Elle a refusé. Les gens ont dit, hein? C'est quoi ça? En tout cas, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est sa transformation. Il y a une dame qui est sortie et fait un post sur ça. La transformation d'Emma Loès. Avant, Emma Loès était une beauté. Moi, je vous avais toujours dit que c'était ma favori en Côte d'Ivoire. Thème d'influenceurs. Bon, il y avait les influenceurs. Il y a les influenceurs. Bon, influenceuses plus belles qu'elle. Et que bon. Marie-Paul, et puis celle-là, l'ex-Miss là, je ne me rappelle plus son nom là, oui. Mais alors, j'aimais Emma Loès à cause de son charisme, sa manière d'être et tout et tout. Mais le problème c'est que Emma Loès, bébé, elle a gâté cette fille. Oh, cocolo. Écoutez le récit de cette dame-ci, écoutez. Coucou, c'est votre Louva Louva de Bruxelles. L'air est grave. L'air est grave, faut sauver Emma Loès. Faut sauver Emma Loès, on est en train de perdre Emma Loès. Notre Emma Loès est en train de disparaître. Notre Emma Loès n'est plus Emma Loès. Elle est devenue Emma Jackson. Elle est devenue Emma Jackson. Quand vous-même vous regardez là, c'est pas Emma Jackson qui est là. C'est pas Emma Jackson qui est là. On peut maltraiter son corps comme ça. Hein? Ton joli nez que Dieu t'a donné là, tu dis non, Dieu t'a mal créé. Voilà petit nez, tu allais déposer sur ton visage là. Nez là, André aigu. Voilà nez là qui est penché. Voilà nez là maintenant là qui est penché. Tu n'arrives pas à respirer. C'est-à-dire que quand même je regarde nez là, même je suis étouffé à ta place. Et mal, ouais, c'est quelle beauté encore tu cherches. Tu as un beau visage. Tu es déjà belle. Même si de l'autre côté, là, tu as changé, c'est pas grave. Mais tu as déjà un joli visage. Voilà, maintenant, tu es allé gâter. Tu es devenue la grand-mère de Michael Jackson. Maintenant, tu as appelé Emma Jackson. Quand tu vas parler, là, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que ça te regarde? Oui, ça me regarde. Quand vous-même, vous regardez le nez qui est là, ça vous plaît? Quand vous-même, vous regardez le nez penché, là, ça vous plaît? Hein? Dites la vérité que c'est pas joli. Tellement vous êtes hypocrite. C'est-à-dire hypocrisie dans votre corps. Vous-même, vous voyez que son nez là, c'est pas joli. Hein? Mais vous êtes là. Oh, tu es belle. C'est joli. C'est pas joli. Vous-même, regardez. Regardez comment ça l'a rendu. Regardez comment sa beauté a disparu. Emma Loès, pardon. C'est bon. On t'aime. On t'aime. Eh! Tu es tenté de disparaître. Jusqu'à nez là va disparaître. Hein? Tu ne vas plus avoir nez de. Emma, tu ne vas plus avoir nez. Voilà nez là maintenant qui est peint. André Kabato qui est dans le plat. Pardonnez. On n'a qu'à aider Emma Loès. André, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire où il y a fini de parler. Emma Jackson sur nous maintenant. Comme cette dame s'est dit, vous allez beau dire. Oh, c'est son agent, c'est son agent. Qu'est-ce qui prouve même que c'est elle-même qui paye même ça? Ouais, vraiment, les femmes, si. Parce que tu as l'argent parti gaspiller dans les trucs comme ça, mais tu fuis avec le loyer de quelqu'un. Avec le loyer de quelqu'un. Pourtant, tout ce que tu mets ton corps est plus cher que le loyer là, c'est combien?
tu sors chez quelqu'un, tu arraches les trucs, tu prends les... vraiment. Après, on dit qu'ils ont l'argent. Ils vont dire qu'ils ont l'argent. Ouais, ok, c'est que j'ai l'argent. La vente du rêve. La vente du rêve. Regardez comme Emma Louis était belle avant. Regardez la différence. Elle pense qu'elle s'améliore. Tu ne t'améliores pas, ma chérie. Tu n'es pas en train de t'améliorer. Hmm? Elle se dit que non, je suis en train de faire, je veux être comme ça. Là. Et vous avez dit que l'affaire de bébé, là, quand vous commencez, ça devient que vous n'allez plus arrêter parce que c'est comme si ça devient comme comme si vous êtes en train de prendre le cure. Oui, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous allez voir, comme vous voyez l'imperfection aussi là, vous partez corriger, vous pensez que vous avez corrigé. Maintenant, vous allez voir l'autre, même la partie ici. Ah, pour finir, même les orteils, vous allez dire, même les orteils là sont un peu tordus. Hein. Il faut que je change les orteils là. C'est comme ça. Demandez à Cher, elle va vous dire. Vous connaissez Cher? Ce qu'on appelle la chanteuse, ce qu'on appelle Cher. Vous lui demandez, elle va vous dire combien de bébés elle a fait. Mais pour finir, la nature finit par vaincre. Voilà l'autre, c'est Donatella Versace. Allez lui demander. Allez voir à quoi elle ressemble maintenant. Là. Quand on essaie de vous conscientiser, on essaie de vous d'éveiller les consciences. Les gens, il y a une fille là qui sont là, elle rêve seulement. Cotiser l'argent pour partir faire le BBL. Oui, elle va être comme telle. Je veux qu'on me mette le nez de telle jusqu'à ce qu'on le commande. Puis quand vous partez chez les gens là, ils vous disent, tu veux le nez de Janet Jackson, tu veux le nez de Jennifer Lopez, tu veux le nez de Beyoncé, on te met le nez de... C'est comme ça. Tu veux le nez de... Ok. Jusqu'à celui qu'ils ont le nom. Le nez de Beyoncé, c'est le nez asymétrique. Le nez de l'autre, c'est le nez multisymétrique. Machin. On te raconte. Yo! On te sort le thème. Hein? Mais, mon frère, oui, c'est ça. Elle travaille, cotise l'argent pour aller faire ça. C'est ça le problème avec nous les Africains. C'est ça le problème. Oui. Ha! Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il y a tellement les sujets. Il y a tellement les sujets dans lesquels on essaie d'éveiller les consciences des gens. Il y a tellement de sujets qu'on ne sait même plus quel sujet prendre et quel laisser. Il y a tellement. L'Africain a trop de problèmes. Trop. L'Africain a trop de problèmes. Oui. Aïe, la famille. Ça fait seulement, en tout cas, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa plante, surtout ne mettez pas les organes.